Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de tous mes calendriers de l'Avent du jour numéro 12. Aïe aïe aïe, demain c'est mon anniversaire. Bref, on va du coup tout de suite commencer avec le classement que m'a fait Juju, donc Blog The New Story, avec qui je fais l'un des calendriers de l'Avent juste ici. Et si tu veux aller voir ce que moi je lui ai offert aujourd'hui, n'hésite pas à aller sur son compte Instagram que je mets en barre d'infos et juste ici. Allez, c'est parti. Il a du coup commencé par AliExpress, donc je vais ouvrir les deux calendriers AliExpress, celui-ci que tu connais déjà et le nouveau que tu as découvert juste hier. Donc je vais ouvrir l'une des cases qui est complètement déchiquetée, voilà tout. Alors, il s'agit encore une fois d'un petit pendentif avec une petite planète, si j'arrive bien à tenir le pendentif, bien sûr. Alors celui-ci, je sais pas s'il est violet ou s'il est d'une autre couleur, mais en fait j'ai remarqué que à l'intérieur c'était des couleurs différentes, soit pailletées, soit non. Donc franchement, c'est toujours une bonne petite surprise. J'aime beaucoup ces petits pendentifs là, et comme ça en plus je peux en offrir voilà à tous mes proches, mes petites nièces, mes sœurs et tout ça. Donc franchement trop cool. Je suis assez contente quand même de ça. Faut pas abuser. On continue avec le calendrier que tu as découvert juste hier, du coup des pierres, voilà, des roches. Et donc on va ouvrir cette case là. C'est incroyable comme c'est. Voilà. Oh là 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 là. Donc aujourd'hui nous avons du coup une autre petite pierre comme ceci, que du coup en fait on avait tous au fond de nos aquariums ronds, là où qu'on mettait nos poissons rouges. Je sais maintenant c'est interdit et que c'est pas bien, mais en vrai on avait plein de galets comme ça au fond de nos aquariums, on est bien d'accord. Nous on a eu plein de petits poissons rouges qui s'appelaient tous Pikachu, voilà. Si tu as déjà eu un poisson rouge, dis-moi en commentaire du coup combien t'en avais et quel prénom tu leur donnais. Mais voilà, on a les petits cailloux comme ça, celui-ci est bleu. Le calendrier Airwick, du coup le numéro 12, en tout cas le 13 est juste ici, je le saurai, il est là. Alors voilà, doucement nous avons la petite bougie blanche. Je pense que ça doit être, je sais même pas, je pourrais même pas dire, ouais je sais pas, mais en tout cas ça sent très bon. Calendrier Harry Potter de Ben HPTS. Et d'ailleurs, j'ai reçu sa box sur demande. Je sais pas si la vidéo ne sortira pas soit ce soir, soit demain à 18h. On verra. Alors, le numéro 12, il est juste ici. C'est un tout petit sachet. Ah bah, on dirait un badge, clairement. Voilà. badge comme celui qu'on avait eu, mais plus petit. Celui qu'on avait eu des Weasley, mais celui-ci est bien plus petit. Yes, exactement. On a ce design là, c'est exactement le même design qu'on avait eu de dessous de verre, qu'on avait eu aussi avec Ben lors de box sur demande. C'est pas le design que j'aime en fait, je trouve que c'est pas du tout magique, ça fait pas féerique, alors que moi j'aime bien les designs un peu plus traditionnels, enfin qui inspirent la magie. Et là, voilà, c'est pas ce que je préfère. Continuons avec English Tea Shop. C'est bien? C'est bien. J'allais dire c'est bon, je l'ai bien dit. Et là je vais être c'est bien. English Tea Shop. Voilà, alors le numéro 12, il est juste ici. Happy Holiday. Donc, joyeuses vacances, bonnes vacances. Alors comment que ça sent? Ça sent bon comme lequel? Comme le Winter Warmer, voilà, exactement. Ça sent aussi bon, donc je sais que je vais l'aimer, ça c'est sûr. Prenons maintenant le calendrier de Juju et du coup le numéro 12. Ah, attends, oh, mince, tous les chocolats sont tombés à l'intérieur. Petit Raphaël. Donc le numéro 12 aujourd'hui c'est du thé. Alors attends, il faut que je le trouve quand même. Wait. Je viens de trouver un petit paquet qui a marqué numéro 8. On est bien numéro 12, oui. Mais alors je ne l'ai pas ouvert ce truc là. Tu m'as pas dit je l'ai pas ouvert ton truc.
C'est des petits papiers. La grosse surprise ici. Genre, je découvre que aujourd'hui qu'il y avait un autre petit paquet numéro 8. Et donc, c'est des genres de petits éventails, voilà, de chaque couleur. Donc là, c'est pour le rouge, le bleu, le jaune de Poufsouffle et le vert de Serpentard. Voilà, des petits éventails. Je suppose que c'était un petit plus et qu'il avait même lui oublié qu'il avait ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça aujourd'hui, Juju. Le numéro 12 est appelé à la réception. Oh, mais j'ai tous les chocolats qui se trimballent dedans là. Je trouve pas le numéro 12. Pas normal ça. Ah bah voilà, en fait le numéro 12, je viens de le trouver. J'allais ouvrir un truc qu'il ne fallait sûrement pas que j'ouvre maintenant. Allez, numéro 12. Hop là, des petits thés pour aujourd'hui. Toujours de la marque Lipton. Donc sans faute. Et on a fruits rouges et agrumes. Pas parfait, hein. De toute façon, Juju, tu connais bien mes goûts et tu ne te trompes jamais. Je les adore, ceux-là aussi. On continue avec le calendrier Amazon de mon chéri. Avec aujourd'hui la case numéro 12 qui est... Ah, elle est là. Donc, il s'agit de cette petite bouteille-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Bombay Bramble. C'est un gin with a blackberry and raspberry. Je te mettrai quelque part par là. Donc voilà, la petite bouteille. Celle-ci, elle est en plastique. C'est pas la plus jolie bouteille qu'on a eue pour l'instant dans ce calendrier. Parce que franchement, les jours d'avant, les bouteilles étaient vraiment sublimes. Donc celle-ci, elle est un peu moins jolie que les autres. Mais voilà, ça reste un petit 50 ml, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc voilà, parfait pour ce petit jour numéro 12. Et on termine avec le calendrier de chez Kinder, voilà, par la petite gourmandise. 13 aussi est là, et on dirait un petit chocobon celui-ci. Bref, nous on cherche la case numéro 12. Elle est là. Oh, c'est un tout petit ça, hein. Oui, c'est ça. C'est le petit chocolat comme ceci. Si, moi je mange tout de suite, hein. Donc voilà pour l'ouverture de tous mes calendriers de l'Avent. Merci encore Juju pour ton classement. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux. Comment j'ai... avalé de... Je sais pas, c'était bizarre là. Hein. Failli m'étouffer en direct moi. N'hésite pas du coup à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut !